Culture, dernier hommage à Fafa. C'est avec émotion que famille, amis, fans et proches ont rendu un dernier hommage à Fafa, Famata Nansou Razonarson de son vrai nom, aujourd'hui au Palais des Sports et de la Culture de Mamassn. L'artiste a marqué de son empreinte l'univers musical malgache grâce à sa voix d'or. Un grand artiste s'en est allé, mais ses œuvres demeureront. Pour rendre hommage à son immense talent, Fafa a été élevé au rang de grand officier de l'ordre national et le ministère de la Culture et de la Communication l'a décoré chevalier de l'ordre des Arts et de la Culture. Aujourd'hui, au Palais des Sports et de la Culture de Mamassn, sa famille n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude face à cette marque d'affection et de reconnaissance. Les artistes amis de Fafa, quant à eux, ont uni leur voix pour chanter les morceaux qui ont fait la renommée de l'artiste. La cérémonie a duré 2 heures. Yoni du groupe Mali Ozandjin a notamment été remarqué pour ses prestations musicales. Les hommages et les témoignages ont afflué aujourd'hui. Tous ont souligné que le monde musical malgache est en deuil. Un grand artiste a attiré sa révérence, un artiste qui a su partager sa passion et son talent tout en restant modeste et accessible. Le cortège funèbre a quitté le Palais des Sports et de la Culture de Mamassn vers midi. Un culte en hommage à Fafa a été célébré au temple FJKM Farah Vouidj avant l'inhumation à son caveau familial à Rangaïn Ilafi.